La Légion d'honneur est le premier ordre national français. Elle doit sa création au premier consul Bonaparte, qui en évoqua l'idée, et Cambacérès, le deuxième consul, en établit le projet. D'abord destinée aux militaires sous la forme d'armes d'honneur, du simple soldat au plus haut gradé, puis étendue à la société civile pour service éminent rendu à la nation française. Partout, c'est pour exercer leur action, s'entraîner mutuellement par une action de proximité. Elle est la seule association regroupant les membres de la Légion d'honneur reconnue d'utilité publique. Les membres de la société d'entraide, les membres de la Légion d'honneur, jouent aussi dans leur vie, tant qu'en France, notamment en Guadeloupe, ainsi qu'à l'étranger, un rôle irremplaçable pour témoigner du respect qui est dû au premier ordre. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les faits d'armes, excusez-moi, qui ont permis à M. Dufay de recevoir aujourd'hui la Légion d'honneur. M. Dufay est né à Casablanca le 31 décembre 1920. Engagé le 20 janvier 1939, il est démobilisé le 1er septembre 1941. Il a connu la débâcle de Dunkerque. Coulé par l'aviation allemande, le bateau anglais qui le dirigeait vers l'Angleterre en juin 1940 n'a pas arrêté la volonté de M. Dufay, qui est reparti sur un aviso français. Sur un aviso français de bouclier pour l'Angleterre. Le lendemain, il revenait en France pour en continuer le combat et fut muté en octobre 1940 du 1er régiment de dragons au 2e dragon à Issoire jusqu'en septembre 1941. En 11-42, il rejoint le 1er chasseur à Rabat, puis en 9-43, le 1er cuirassé, avec lequel il participe au combat de la 1ère armée française depuis l'Afrique jusqu'au sort du Danube en 1945. Après l'armistice, il continue son service pour la formation de nouvelles recrues et est démobilisé en novembre 1945, titulaire de la médaille militaire, de la Croix de guerre 39-45 avec deux citations, de la médaille des combattants volontaires, de la médaille des blessés avec deux blessures et des médailles commémoratives, la Croix de la Légion d'honneur bien enfin récompenser les services éminents rendus à la nation par M. Maurice Dufay. Maurice Dufay, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Dufay vient de recevoir l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Cette reconnaissance de la nation, il l'a méritée par ses faits d'armes et sa conduite héroïque durant la guerre 39-45.
C'est une figure discrète, mais connue de tous ici, et nous l'apprécions, nous admirons son dévouement pour son épouse, qu'il accompagne chaque jour pour une marche bienfaisante.